pour avoir toute information sur tout ça la coach a fait à toutes sortes où qu'on est pour permettre d'être en santé et vivre plus bien plus longtemps. Suivez émission Paula Radio Croix Rouge. Radio Croix Rouge, tout ce que vous avez sous santé ou environnement, toute activité de la Croix Rouge a fait avec toute information qui est capable d'aider. Bonsoir tout le monde, quel que soit votre côté sur la santé internationale, jeudi, c'est mercredi 11 juin 2014, c'est 200e édition. Radio Croix-Rouge qui est rentrée la caillou sur Radio 90.1. Cette structure a été mise en place immédiatement après le tremblement de terre. Puisqu'il faut souligner que Haïti a été le premier pays où la fédération avait délégué une personne pour venir identifier le terrain et implémenter les structures de communication avec les bénéficiaires. Ce qui donne la possibilité à la population bénéficiaire de communiquer avec la Croix-Rouge et il y a la communication à double sens. Donc la Croix-Rouge entend les bénéficiaires et les bénéficiaires entendent la Croix-Rouge. Non, normalement, le 14 juin, et pour marquer cette date-là, normalement, il faut qu'il y ait des jeunes qui présentent dans le muslim pour faire don, lancer message, tout. Ben, notre jeune qui probablement, t'as dit parler de ton muslim, mais t'as une chance, ouais, comment ça fait? Ok, est-ce que si vous m'avez dit là, mal la contacté sur la veille, ça qu'il passe, est-ce que je m'a pensé là? En dedans, Radio Croix-Rouge, ça nous fait comme travail avec la population. C'est que l'on a des informations, non seulement nous détailler chaque maladie, chaque épidémie, chaque maladie, bien détaillé, il faut qu'on côté au sorti, qui ça a fait, non ou même, comme, qui, comme dégâts, et que ou même bon côté pour qui sont à défait. Et faciliter qu'on a la même, que la population est capable de faire interaction avec nous, relayer après mission pour dire nous que. Mais qui s'est regagné, mais qui constate à ce que fait beaucoup de paroles, qui ça a été fait. Les enquêtes nous ont clairement montré, nous ont clairement indiqué que la radio c'est la source d'information la plus fiable. Et après la radio, on a eu le système SMS. Ici de Arcaye, on peut aller jusqu'à Saint-Louis-du-Nord pour envoyer les SMS, ou on peut aller à Bellance, et même si on veut toucher Etiop qui est là, ça nous permet aussi d'atteindre ces personnes avec les messages. Avec des sujets comme premiers soins, prévention à la violence, surtout pendant le carnaval, prévention au désastre, où nous partageons l'information et nous profitons pour former les gens. Et après le système SMS, on a eu le téléphone Croix-Rouge et puis ça on choque. Le système IVR, c'est un système de messagerie vocale interactive, okay? Que nous l'appelons en Haïti téléphone Croix-Rouge en créole. Ce système nous permet de fournir des informations sur les catastrophes, sur les épidémies, etc. Et ce système nous permet aussi d'avoir le feedback des bénéficiaires. Ici par exemple, ça c'est touché Excel, on peut dire selon les données que nous disposons, ce système est une réussite pour la fédération. 10 mois après le lancement de ce système, on avait déjà reçu 1 million d'appels sur le système. Et en moyenne, près de 3 000 appels par jour qu'on a reçus sur le système. Aujourd'hui, jusqu'au 26 juin 2014, on est déjà à 2 102 095 appels. Disons qu'après le 2 janvier, les bénéficiaires étaient les victimes du séisme du 2 janvier. Mais à côté, il y a également les personnes qui se sont déplacées, qui ont laissé les villes qui ont été touchées par le séisme pour se réfugier dans d'autres villes de province comme dans le plateau central, dans l'Artibonite, dans le nord. Donc les bénéficiaires étaient les victimes directes et indirectes du séisme, mais la population en général, puisque la communication avec les bénéficiaires nous a permis
de toucher d'autres thématiques. Donc, nous a permis d'informer la population sur d'autres sujets, d'autres catastrophes, d'autres épidémies. Donc, c'est la population en général. La réalité en Haïti, c'est que il y a des gens qui sont très très éloignés et là, il faut que ces personnes-là trouvent de l'information. Eh bien, le Soundtrack a la possibilité d'aller dans les montagnes avec les mêmes messages et de partager ces messages-là à la population. Et ils ont la possibilité, grâce à des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne qui sont dans cette voiture-là, dans le camion de sonorisation, pour poser les questions. Nous ne pouvons jamais utiliser ni gilet, ni rasoir pour les filles utilisées. Pas oublier, si ça va arriver au fait bagage sans protection, courir pressé, alpha de sida. BenComs est un programme de la fédération qui supporte la Croix-Rouge haïtienne dans le cadre de ses activités de communication. En plus de ce que la direction de communication avait comme outil, BenComs est venu en support à la communication. Et ça représente beaucoup, puisque ça nous a permis d'être beaucoup plus visibles, d'atteindre les bénéficiaires. Également, ça a permis à la Croix-Rouge haïtienne de pouvoir faire comprendre aux bénéficiaires, à l'ensemble de la population, aux autorités et à la famille Croix-Rouge en général, ce que la Croix-Rouge haïtienne réalise dans le pays au profit des plus vulnérables. On a fait l'expérience après le 2 janvier des outils de communication avec les bénéficiaires. Et on a compris que les outils sont très importants pour la continuation des programmes, que ce soit des programmes de désastre, des programmes de santé ou des programmes de communication tout court. Donc ça vient directement en support aux activités de la Croix-Rouge, aux activités à venir de la Croix-Rouge. Par exemple, si on souhaite supporter une structure ou un département dans le cadre d'une campagne, par exemple, de vaccination. Donc, les outils de communication avec les bénéficiaires vont nous permettre d'atteindre la population ciblée pour cette campagne. Donc, c'est important pour la Croix-Rouge haïtienne, pour la direction de communication, d'intégrer les outils de communication avec les bénéficiaires dans son programme. So following the 2010 earthquake in Haiti, the Federation deployed a number of tools for communicating with beneficiaries. These tools were largely developed during the tsunami operation from 2004. So the Haiti operation, the Haiti earthquake operation, benefited from those tools. Since the introduction of those tools and that expertise here in Haiti, we have also developed significantly the capacity here within the Federation and also within the Haitian Red Cross in terms of communications with the beneficiaries. So now, 5 years later, we've basically come full circle in that we have a very concrete example where a member of the communications team here in Haiti was part of the field assessment and coordination team that was assisting the Liberian Red Cross in the fight against Ebola. So really, the technologies, the expertise, everything that has been developed here in Haiti has now been shared effectively with the rest of the world.